Précédemment, sur Superliminal. Ok, Kenneth, viens avec moi. Si. Oh! Oh! Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Et maintenant, la finale. Et où la Kenneth? Reviens, Kenneth, reviens! Chut! Ok. Faut que j'aille par là? Ah, ok. Ça, c'était le fun. Oh! Ah, maudite merde, c'ti. Ça m'a rapporté là-bas encore, là. Ou peut-être pas. Peut-être pas. Ok, on va continuer. Ah, dread là. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Cette fois-là, il n'y a pas rien, là. Voyons voir. Ah! Viens d'abord! J'ai perdu ma canette! Puis toi, tu sonnes plus. Puis y'a pas... nulle part... où est-ce que je peux aller, moi, là? Privé. J'ai-tu manqué quelque chose, moi, là? Ok, à un moment donné, là, je peux faire back and forth, comme je peux aller d'un bord puis l'autre, puis d'un bord puis l'autre, là, mais ça change pas rien. Non, toi, je peux pas te cliquer. Toi... Oh! Oh! Quelque chose d'étrange ici, ok. Oh! 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 Ok, ok. Ok. Comment je fais pour rentrer là-dedans, là? Comme ça? Rentre dedans. Cool! Je suis dans la peinture. Ok. Ben, ça, c'est déjà là, c'est mieux que qu'est-ce que c'était avant, hein? Docteur! Hello. Bonjour. My name is Dr. Glenn Pierce. Thank you for completing the Somnisculpt Standard Orientation Protocol. Mm-hmm. Before you begin the first phase of therapy, I'd like to briefly describe the finite and fragile nature of the dream state. Pourquoi tu veux commencer au début, là? On a déjà fait le début, là. Étrange. Oh, une tasse. Je peux pas rien faire avec la tasse. Oh! Oh! Non? Ok. Non? Ok. La peinture. Comment ça fait penser à Layers of Fear, là? Ah! J'ai un trophée, ok. Oh! Ça, c'est une affaire de... un pion. Oh! Oh! Bonjour le pion, voyons. Je peux choisir le pion? Non. Ok, faut que j'aille vers la noire. Ok. On va aller de reculant de même, comme ça je peux voir un petit peu. Puis s'il y a une grosse bébite que je fonce dedans, hein? Je vais pas la voir. Oh, il y a une nuage bleue. Je vois rien. Drette là, là. Je sais pas si ça apparaît sur YouTube. Mais il y a une affaire bleue. Drette là, puis qui continue par là. Puis qui se rend jusque là. C'est comme si c'était le reste du mur ou quelque chose de même. Ok. Y a-tu quelque chose que je peux prendre? Non. Je peux-tu sauter là-dedans? Oui! Bon, ben ok. Ça règle le problème. Canette. Prendre une canette. Oups! Canette! Je pense que j'ai pas mal quand je tombe. La canette a complètement disparu. Je suis un petit peu désorienté, moi, là. Vous comprendrez. Ok. Où est-ce que je suis supposé d'aller? Je peux dessus. Ah! Direct là, la sortie est là. Hey boy, ok. Ok. Ah ah! Bien joué, bien joué. Hop! Ow! C'est là comme si je m'en vais par ici. Ok. Oh, il y a une craque là. J'imagine c'est là où est-ce que je m'en vais. Craque dans le plafond. Ok. Je sais pas où est-ce que je suis. Of course, nothing is more challenging than the difficulty of changing perspective.
of fundamentally altering your perceptions in a way that will enable you to face dire, trial-by-fire scenarios with solutions that could not be found otherwise. Donc, faut que je change ma perspective pour pouvoir régler des problèmes qui autrement ne pourraient pas être réglés. Comme ça. Ok, attends un petit peu. Ça, c'est un cube, là. Faut juste que... Oh non! Qu'est-ce que... J'ai pas eu le cube! J'ai pas eu le cube! Ah, j'espère que j'ai pas rien brisé. Ça, c'est la cool. Oh, ok, attends un petit peu. Mais m'approche proche. Je me mets... Je fais ça intelligemment, là. Oh, non! Non! J'essaie de régler des problèmes, des casse-têtes. Ok, il y a un ascenseur droit là. Vite, vite avant que tout tombe dessus, là. Bon. Ok. Ouf. Wow. Malade comme... Oh! Bon. Ok. La sortie a été temporairement déplacée. Oh! Ok. Ok. Howl 1, la sortie est par là, stop. Tu veux que j'aille par là-bas, mais là, là, tu dis, va pas par là-bas. Perception is not reality, la perception n'est pas la réalité. Ok, donc j'imagine qu'on va aller par ici. J'ai pas le choix. Excuse. Mais ok. Attends un petit peu d'abord. Y a-t-il quelque chose de caché ici que je sais pas c'est quoi? Dead end, stop. Perception n'est pas la réalité. Je peux pas choisir ça. Recyclage de carton seulement. Puis une poubelle de plastique dedans. Ok. Mais attends un petit peu, là. Pourquoi est-ce que... Stop. Dead end. Faut-ce que je change ma... Pourquoi si je regarde par en haut, le monde ne devient pas comme je le veux? Attends un petit peu. Si je viens par ici encore, ça va dire hein. Ouais, parce que je suis pas supposé aller par là. Si je sais pas, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je suis supposé. Qu'est-ce que. Ah là, j'ai le droit. Ok. Qu'est-ce que j'ai. Ding! Ok, cool. Ok, puis là maintenant, faut que j'aille à droite. Ok. Non, c'est quoi? C'est quoi ça, cette cacherie-là? Que j'ai fait tantôt? Là, si je vais essayer, ça va faire... Ben oui, je sais, si. Là, pis là, ça recommence. Non! Ok, attends un petit peu. Je pense que je sais c'est quoi, là. Je regarde à droite, pis là, il va être ouvert. Faut que j'aille... Ok. Là, ici, faut que je regarde à gauche, pis là, lui, ici, il va être ouvert. C'est ça. Faut pas que je regarde par où ce qu'il me dit d'aller. Faut que je regarde ici, pis là, je vais là. Ok, combien de fois qu'il faut que je fais ça, là? C'est niaiseux. À droite. Ok. Ça disait Hall 4, donc c'est Hall 5. Faut que je regarde à gauche. On va à droite. Ok. Oh, il y a du bruit comme si on était en dessous d'une rue. Puis... Là, maintenant, on est dans une piscine. Ok. Je suis pas certain exactement qu'est-ce qui se passe ici, là, mais... On met ça là comme ça. On saute là-dessus. Ok. On peut-tu sauter là-dedans? C'est-tu de l'eau, ça? Je comprends pas. C'est comme la moitié de la piscine qui manque quelque chose de même. Là, ça dit rue fermée d'être là, mais il y a une porte d'être là, mais un plongeon. Ah, c'est étrange. Puis là. Il y a un bruit. Ah. Hey, hey. Je t'ai pas dit, le cube a disparu, mais là, il y a un autre cube ici. Cool. Reste là, toi, là. Hop. Un cube avec une face. Qui a de l'air contente. Là, si on vient ici, de même. Ok. On va prendre un saut de verre, s'il vous plaît. On va l'utiliser pour nous protéger. 17, 5, 1, 1, 3. C'est important, ça, je ne sais pas. Je peux pas l'apporter avec moi. Je te mets dans la poubelle. Ok. Toi. Tu vas là, bien évidemment. Non. Ok. Ah! Qu'est-ce qui t'est arrivé là? Ok. Mais là, il y a une affaire ici qui a de l'air comme un... Ah non, c'est juste un... Ok. Ok, toi... Tu vas pas donner une peinture, toi? Ça m'a complètement mélangé. Ah! Finally, while we respect the unique progress of every patient, you must understand that it is possible to completely exhaust your supply of dreams.
thereby entering a state in which you will not be able to wake up, even with the help of triggering mechanisms. Ok, donc il arrive à un point où on a tellement de rêves qu'on va même pas être capable de se réveiller parce qu'on a utilisé tous nos rêves. C'est rendu au point où je suis en train de plus capable de parler là parce que le jeu me mélange. 17-5-1-3 encore une fois, 17-5-1-3 encore une fois. Est-ce que ça va être important? Je sais pas. C'est peut-être une bonne idée juste s'en rappeler. Puis là ici, il y a un trou dans le plancher. Hop! Cool! Ok! Il y a un tunnel. Il y a un couloir par là. Il y a une porte droite là par contre. Ok. Si je m'entends ici, le tiroir là est encore là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait par là-bas que j'ai peut-être manqué, mais bon. Là, si on vient ici de même. Ok. Tout est en train de se défaire, là. C'est ce qui se passe en ce moment. Hey, je suis déjà passé par ici, moi, là. J'ai besoin de toi. Je vais te mettre là. Hop! Quoi? Ok. J'suis en train de perdre la boule, moi, là. Hop! Ah, oui, il y a une alarme. Ok. Ça, je sais comment ça fonctionne. Viens, cette toile-là. Chut. Wow! C'est des ascenseurs dans des ascenseurs dans des ascenseurs. Oh, wow! Ok. Wow! Comment que je fais pour savoir si je me mets dans le bon? Ah! Ok. J'ai trouvé une flèche par terre, ici. Ok. Ding, 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 ding. Ah! Est-ce qu'à un moment donné, ça va mener quelque part, celui-là? Oui! Ok. Please listen carefully for the sound of an alarm clock, which will automatically play if you are approaching a destabilizing dream weight. Donc, s'il y a un bruit d'alarme, ça veut dire que j'approche une place où je vais être déstabilisé. Ah! Oh! C'est que c'est bien fait, ce jeu-là! C'est quoi, ça? Ah! StairCon! La conférence des marches. Ok. Oups. Bon, ben, au moins, j'ai la paix, hein? On va aller vers la Lune? On va aller vers la Lune. Hop! Ok! La Lune est devenue un mur. Ok, qu'est-ce qu'il y a en arrière du mur? Hop! Ok, ça aussi c'est devenu un mur, ça a de l'air. Ah, faut tout que ça devienne des murs, c'est ça, là? Faut que je marche assez loin pour que lui, là-bas aussi, devienne un mur. Parce qu'il n'est pas un mur en ce moment, hein? Mais, à un moment donné... Et voilà, il est devenu un mur. Il y a trois murs, puis là, ici... Ça à droite, c'est un mur. Ça ici, en avant, c'est pas un mur. Ok. Je suis en train de triper bien raide, moi, là. Ok, oh! Il y a des murs partout, puis là, soudainement, il y a ça ici. Oh! Une alarme. Attends un petit peu, là. Une alarme, là. Mais ça ici, c'est quoi, ça? Genre de cuisine qui dit bienvenue, ok. Ah! C'est ma chambre. Ok. Wow! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bon. Ok. C'est-tu ici que je faisais dodo? Clinique de sommeil, une affaire d'échec, des affaires de son. Oh. This is highly unusual. It appears you have entered the Somnasculpt diagnostic framework. Patients do not have access to this dream. Donc, elle dit que je suis rentré dans le framework de Somnasculpt. Il y avait un building là que je pouvais ramasser, mais avant de le ramasser, je vais venir explorer un petit peu ici. Là. Conception. Ok. Donc, c'est où ce que les gens. Attends un petit peu. Ça ici, c'est comme le faux rêve. C'est comme le. Ok. Comment dire là? C'est comme un faux monde dans un jeu. Ils créent un faux monde pour ce qu'ils font des tests pis tout. Okay. Oh.
Diagnostic warning. Unrealistic use of dream objects may result in dream integrity fail states. Je vais rentrer dans le monde de Somnasculpt. Ok, il est encore trop petit pour moi. Et voilà. Oh, attends un petit peu, je reconnais ça. Ok. Quoi d'autre qu'il y a ici? Ok, ça ici, ça dit quoi? C'est paradoxe. Ok. Appel, la gestion, la musique est trop forte. Ça sent le curry. Il n'y a pas assez de bouffe ou quelque chose de même. Aussi, il faut demander quelque chose pour plus de commandes. Ok. Attends un petit peu, là. Oh. Ouais, donc si moi je viens ici maintenant, je suis rendu ici. Qu'est-ce que je peux... Qu'est-ce que je peux faire? Oh! Je suis supposé d'abord de... Peut-être que... Ouais. Peut-être qu'il était supposé de rester là, lui, là. Si je te remets là. Je te mets là. Tu fais gros boom. Là, si je viens ici, là, maintenant, je vais être super petit. Je suis rendu super petit! Cool! OK, ben, la question, j'imagine, c'est est-ce qu'il y a une place où ce que je pose d'aller, où est-ce que je peux prendre cette affaire-là, puis la mettre? Est-ce que vous voyez un trou quelque part? Il y a comme une lumière, là. Je sais pas si vous voyez ça. Je sais pas si c'est un bug dans le jeu ou... C'est un bug dans le jeu. Je vais pas dire peut-être que c'est un passage secret ou quelque chose. Mais, y a-t-il un passage secret ou ce que je posais? Comme peut-être faut que j'apporte cette affaire-là. Oh, qu'est-ce qu'il y a si je l'apporte avec moi? Hein? Puis je marche à travers. Wow! 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 Oh! Oh! Please paradox from creating any refrains. Explosive dream overload. May result. Uh-oh. Please paradox overload. J'ai brisé le jeu. Wow! Wow! C'est quoi ça? Ah, oh, j'ai brisé le jeu! Please overload for a dream explosion. S-conclusion dream overcall frame. Oh! Ah, j'ai carrément brisé le jeu. Oh! Hello? J'imagine que c'est l'équivalent d'avoir hacké le logiciel, ça. Oh. OK, c'est très... not an exit. C'est pas une sortie. OK. C'est très cathédralesque, je trouve. Ouh, il y a un gros crayon, là. Oh, OK. Ben, si c'est pas une sortie, c'est quoi, d'abord? Je peux-tu... Ça continue toujours par là-bas, puis toujours par là-bas. Je peux-tu aller par ici? Je comprends que c'est pas une sortie. Ah! Je veux dire, je comprends que c'est pas une sortie, mais. Ah! Où c'est que je m'en vais? Ah! Ok. Si j'avais deviné, on a comme. Il y a un logiciel qu'ils utilisent pour contrôler nos rêves, puis on l'a comme hacké, là, puis on est comme dans le code source. On est dans la matrice. C'est qu'est-ce qui se passe, là? Ah! Encore ici, il est 2h25. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. Mm-hmm. And many years ago, I had a dream. Okay. I found myself in a place where I understood that each of us begins as nothing. Uh-huh. Where everything I perceived was shaped by seeing it exactly the way I wanted to. Mm-hmm. White space. That's it. Donc, il y a longtemps, tu as découvert qu'on commençait de rien, puis que tout pouvait commencer de avec ce que tu t'imaginais, ce qui était de l'espace blanc. Là, ici, j'ai passé... Ça, c'est la réception que j'ai toujours passé à travers. Je suis allé dans l'autre direction. On va ramasser une canette. Canette rouge. Je suis encore dans un rêve. Oui. OK. Et avec moi, canette, tu vas me protéger. Enfin, on va te mettre dans le recyclage. Attends. Oh! J'ai un trophée. OK, cool. On va suivre les comptes. Voyons voir. Je savais pas si je... si je recyclais une canette, je recevais un trophée. C'est le fun, ça. Quelque chose ici. C'est quoi, ça? Il y a une porte avec la neige alentour.
Oh, là il mouille. Oh! Ok. C'est trippant au bout. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. C'est quoi qui se passe ici quand on rentre là-dedans? Ah! Je reconnais. Relaxia. Efface-moi. Les grenouilles femelles. Les minéraux. Ah! Je vais lire les autres. C'est quoi ça ici? C'est comme la base de données du logiciel ou quelque chose de même? Audrey, là, il y a une affaire de sortie. Pas une sortie, ok? Le jeu saccade un petit peu, il y a de la difficulté. Que c'est... Pourquoi... Où c'est que je pose d'aller? Moi, là, tout est en noir et blanc. On va tirer là-dessus. Tout est en noir et blanc, sauf pour toi. Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec toi, là? Pas une sortie, là. Je suppose que je pose d'aller. Je suppose de monter ici? Non? Sérieux? Ah! Ok, c'était purement une devinette, ça. Il y avait un ombre. Mais ça a l'air comme c'est par ici qu'il faut aller. Ok. Je vais... Ah, d'être là, ok. On est dans la cathédrale de tantôt, mais là, c'est blanc au lieu de noir. Ok. Ok. C'est très relaxant, hein? Je sais pas c'est quoi qui se passe. Je sais pas ce qu'on s'en va. Je sais pas si je t'avais de tomber. Comme on arrête pas de faire. Ok. Docteur! Docteur? Docteur? Qu'est-ce que je peux... Ah! Ok, hop! Docteur! Ah, cool. Hey, docteur! But in white space, I also faced the greatest challenge I could imagine. Because with a lifetime of life itself behind me, and all of the weight that it carried, I realized that seeing things the way I wanted to was not as easy as it used to be. Ok. Donc, c'était plus facile pour moi de voir... de voir les choses comme je les voyais avant à cause de mon expérience de vie. Puis tout. Là, ça dit, la sortie est par là-bas, mais juste voir qu'est-ce qui arrive quand je viens par ici. Pas grand-chose. Pas mal la même chose, j'imagine. Ouais, ok. Sortie par là-bas. Le gros crayon. J'imagine que c'est un gros crayon. Ça peut être une grosse cheminée aussi. Les gros barils. Ok, c'est une switch de lumière, ça? Ben oui. Ok, qu'est-ce qui arrive quand on allume la lumière? Oh! Ok. J'ai-tu brisé le jeu? Qu'est-ce qui se passe? Ça ici, ça a l'air d'être... une peinture. Oh! Ok. Ah, oh là, la sortie, tu dis? Mais c'est un mur. Oh! Quoi? Je sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé. Ok. Cette fois-ci, c'est-tu vraiment des marches? Oui. Ok. Ok. Wesh. Pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ok. Puis, ah non! Hop! Hop! Ok. J'ai vu un ascenseur. Un autre ascenseur. Donc, l'ascenseur de droite ou l'ascenseur de gauche? Le bleu... Non, le rouge et le jaune ou le rouge et le bleu? On est ici. C'est celui-ci, le premier que j'ai vu. Ah, c'est même pas un ascenseur. C'est juste un long couloir qui est là comme un ascenseur. C'est un mensonge. On est sorti de l'autre bord. On est sorti de l'autre bord, ok. Puis, si je rentre dans celui-ci, est-ce qu'il va me faire la même chose? Il va me rapporter à l'autre? Ça a l'air à ça, hein? Moi, j'arrive dans là. Je fais ça de même. Ok. Ben, ça, c'est le fun. Qu'est-ce qu'il y a si on regarde par la fenêtre? Non. Donc, ça fait vraiment...
Bien sûr. Ok. Si je fais ça, ça m'apporte où? C'est où ce que je pose d'aller? Ça fait quoi? Ça fait rien? Ça fait rien. Ah, drette. Jeu niaiseux. Ok. Si on vient ici. Faut vraiment. C'est pas la perception de la réalité, c'est que. Faut pas assumer dans ce jeu-ci. You're well beyond dreaming now, and further out than anyone has ever come back from. But we hope that you won't get discouraged. After all, if this is a place of pure perspective, isn't it also a place where a different point of view could make anything possible? Isn't that why you came here? Je sais pas pourquoi je suis venu ici, mais je vais te dire que c'est le premier message, je pense, où ce que tu commences en ne pas disant bonjour, je suis docteur blabla. Puis là, ben, parce que je trosse plus le jeu, je vais venir tester ou voir tous les recoins, toucher au mur, hostie. Oh, il y a une fenêtre en haut là qui sont. Il y a des fenêtres qui sont ouvertes. Ok. Hop! Oh! Oh, ok. On est dans les Alpes? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Il y a des bouteilles d'eau. Ok. Hop! Des échecs. Une affaire d'eau. Oh, je suis supposé jouer aux échecs. Donc c'est quoi ça? Ça c'est un roi. Puis lui aussi. Non! Suis en train de jouer aux échecs. Ah! Ok, t'as pas aimé ça? Attends un petit peu là. Attends un petit peu. Premièrement. Ok, si je marche sur les blancs, je passe à travers. Ok. Est-ce que si je mets toi de là. Tu deviens -tu solide? Ah, ok, je viens de comprendre. Bien sûr. Vous comprenez? Faut que je le mette. Comme ça, je sais que c'est solide. Viens ici, toi. Toi ici. Puis là, j'espère que ça, c'est solide là. Au cas où, on met ça là. Et on continue tout droit. Ah, jeu! Tu pensais m'avoir, hein? Place it. Voilà, comme si ce cube-là. Oups. Zéro. Ok. Je sais pas comment. Saute! Non. Je pensais pouvoir sauter dessus pour monter en haut là, mais ça a l'air comme si je peux pas. Ceci, c'est pas une vraie porte, hein? Non. Donc, comment que je fais pour monter en haut là? Attends un petit peu. Premièrement, on va tester les murs. Peut-être qu'il faut pas que je monte en haut là. Ok. Je peux pas. J'ai besoin de voir ce que je suis. Est-ce que. C'est tout des coins partout? Oui, ok. Je suis pris en bas ici, ça a l'air, avec le cube. Ok. Hein? Comment je pose une montée en haut là? Ça, malgré le fait que ça a carrément de l'air comme une porte, ça l'est pas. Est-ce que le noir, c'est un mur pour de vrai? Non, le noir, ce n'est pas un mur. Ok. Est-ce que toi, je peux te faire passer à travers? Puis là, soudainement. Puis là, il y a un fromage ici. Ok. Oh. Je vais mettre le fromage là pour que ça devienne un. Eh, waouh, faut le savoir. Faut le savoir. Ok. Une chance qu'il y ait du fromage dans ce jeu-ci. Parce qu'autrement, là, il y aurait des problèmes. Ah! Waouh. C'est quoi ça? Y a-tu un. Je vais-tu tomber si je marche sur les transparents? Je sais pas si où est-ce que je pose d'aller. Oui, je vais tomber. Ok, mais peut-être qu'il faut que je tombe. Où est-ce que je m'en vais? On s'en va en bas. Direct en bas ici. Wow! Oh, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler sur YouTube. Parce que YouTube fait un algorithme de compression, hein? Oh, wow. Ah, oh, check ça fait des. Ah, c'est trop cool. Wow. Vraiment, vraiment cool. Ah, oh, wow, ça fait de l'art. Ah, une porte. Ah, oh, toi, t'es différent. Ah, oh, non, ok, t'es pas différent. Ok. Exit est là. Mais je l'entends.
Un petit peu l'exit ici, ça fait quoi? Ah! Oh! Oh! AM! 7h29! Ah! Oh! Voilà! 29! Oh! 7h59! Oh non! C'est-tu bon ou mauvais, ça? Je sais pas. 8h! On se réveille-tu? Qu'est-ce que vous en pensez à date? C'est quelque chose? C'est quelque chose, cette affaire-là. Ok. Oh! Bidi, bidi. Ok. Ah, maudite merde, j'aurais pas dû l'éteindre. On est de retour ici, là. J'aurais dû regarder à l'entour avant de cliquer dessus. Ok. Pas une sortie. Tantôt, la sortie était drette là. La sortie est-tu encore ici? Hello. Oh. My name is Dr. Glenn Pierce. And by now, you may have realized that all of this has happened exactly the way it was supposed to. Ah ouais? You see, everyone who comes to the Institute does so because they feel that they are no longer in control of something important to them. OK. On vient parce qu'on pense qu'on n'est plus en contrôle à propos de, avec quelque chose. But, more often than not, the problem is not that the problems we face can't be solved. The problem is that we become so afraid of failure that we refuse to see our problems from a new perspective. And so, we do the same things again and again and again. And therein, of course, we find exactly the failure we were looking for. Hmm. Okay. Donc on fait toujours les mêmes erreurs. Château, hein, man. Oh! Ok. Donc, c'est ça la morale de l'histoire? Quand tout va mal, quand t'es pas capable de régler ton problème, prends une pause puis essaie de regarder les choses d'une différente perspective. Oh! C'est une bonne histoire. Your life will always be a struggle, and you will always have problems. But today, you have the chance to see things differently. Even though it meant facing obstacles that seemed impossible at first, you thought outside the box, and you overcame them. Because you saw things from every angle, you understood them for what they really were. Because you kept moving forward, no matter how far off the path you were told you were headed, or how unexpected it became, you found your way. Ça fait réfléchir, ce petit jeu-ci. Donc, quoi, où qu'on allait, quoi qu'on faisait, on fonçait, puis on essayait de voir les choses différemment. Puis on a recyclé. In a few minutes, you'll be back in the real world. And some part of you will say that none of this was real. So, how could it have really meant anything? But just like the power of perspective itself, it will have been as real as you believed it to be. All you've got to do is wake up. Ah, c'est bon! C'est bon! Bravo! Bravo, bravo, bravo! Vraiment, là! Oh, wow! Excellent, excellent, excellent. J'adore que c'est... Comment dire? Dernièrement, on dirait les jeux, s'il est pour avoir un genre de mystère, c'est parce qu'il y a quelque chose de pas correct qui se passe en arrière. Il y a un robot méchant, il y a une intelligence méchante, ou il y a une personne méchante, un scientifique méchant. Il y a une organisation méchante. C'est vraiment... Je sais pas, j'aime bien comment que le jeu a terminé. Ou ce que tout le long, c'était une leçon que quand les choses vont mal, prends 2 secondes, change ta perspective, puis essaie de trouver une autre façon de régler le problème ou d'approcher les choses. Parce que si tu le fais pas, tu vas juste continuer à essayer de régler le problème de la même façon ou d'approcher les choses de la même façon. Tu vas continuellement faire face au même problème. C'est un bon message, ça. J'ai vraiment, vraiment aimé. Wow!
Ah, c'est super! Ben, félicitations, honnêtement, à tout le monde! Que leurs noms sont ici. Parce que vous avez fait une méchante bonne job. Je suis énormément surpris, mais content. Un très bon jeu. Je peux comprendre pourquoi ce jeu-ci a des revues très très bonnes pis tout. Et puis, ben là, on vient de passer à travers, donc c'est difficile pour moi de le recommander. Mais ce que je veux faire, c'est que je vais retourner au premier épisode, avant même qu'il soit publié pis tout. Puis je vais vous encourager de le jouer vous-même en premier, en espérant que vous pouvez le découvrir pour vous-même. Parce que j'aime bien, c'est une bonne leçon. Donc, oui, je pense que ça vaut la peine. C'est un de mes jeux... un de mes jeux favoris, je dirais, là, juste la façon que ça s'est joué. Malheureusement, ça va être difficile. Tu peux pas vraiment le rejouer, parce que tu connais déjà comment ça finit pis tout, mais... donc, c'est pas comme un jeu avec beaucoup de replay, si on veut, entre guillemets, mais c'est quand même super, là. Donc, Unity, blabla, de la compagnie Pillow Castle. Bravo, Pillow Castle. Vous faites des bons jeux. Ça a l'air étrange un petit peu, là, un coussin avec un château, mais bon. Merci de rêver. Ben, merci à vous. C'était super, ça. C'était super. Si vous avez d'autres suggestions pour des jeux que vous voulez, j'essaye, laissez-moi savoir dans les commentaires. Autrement, merci tout le monde d'avoir écouté. Et comme toujours, à la prochaine. Je peux-tu bouger? Non. Ce serait le fun si je pouvais bouger. Ça ferait quelque chose. Oh, mode bonus. Il y a des modes bonus! Mode défi, pis tout. Il y a des affaires d'extra qu'on peut faire. Oh!